Olivier, président d'IRTTASSO. T'es avec ton ami pour annoncer une super nouvelle. C'est pas mon ami, je le connais pas lui. Je suis plus ami avec son frère. On s'est plus battu sur le terrain avec son frère qu'avec lui, mais. Je me battais pas moi. J'étais trop gentil. Alors, non, bien sûr. On va se battre pour le projet. On va monter, on a monté, puisqu'on a fait l'Assemblée Générale extraordinaire qui permet juridiquement au RCT d'accueillir en son sein une équipe handisport. Donc on a monté une section handisport qui va commencer dès samedi, là, le 22... 21. Arrête de me reprendre. Dès le 21, on va faire les premiers entraînements et on fera un match amical contre Clermont-Ferrand le 5 avril dans le cadre de la Sainte-Jonie, 4 jours de fête au club du RCT. Et on va mettre en valeur, c'est sur l'initiative de Guillaume. C'est Guillaume, il m'appelle 12 fois par jour. Il m'a niqué ma messagerie téléphone, il m'a niqué mes mails. Mais il a bien raison parce qu'ils sont en train de faire un beau projet. Et je pense que ça fait partie des valeurs du rugby de travailler tous ensemble. Voilà. Un petit mot, parce que... Un petit mot, on est soutenu par un président qui est atypique, mais qui est là, qui est présent derrière nous, qui nous suit. Et un petit mot, je suis pas habitué à tout ça, moi, un petit mot. Premier entraînement officiel ce week-end. Si vous voulez venir nous voir, vous venez. Au Palais des Sports, c'est ça? Au Palais des Sports. Si vous connaissez les personnes qui sont tétraplégiques, amputées des membres supérieurs, IMC, sclérose en plaques, dites-leur de venir voir s'ils veulent refaire du sport. Et le 5 avril, on accueille nos parrains, Clermontois, qui nous aident beaucoup sur ce projet. Qui sont un groupe extraordinaire, sympa. Et on vous attend nombreux, mais on ne pourra pas tous rentrer, malheureusement. Tu vas le couper le son là. Voilà, j'allais dire. Ce qui est vraiment important et ce qui me plaît dans ce projet là, c'est que c'est vraiment autour des valeurs du rugby, parce que pour que la section handisport, donc quad rugby, puisse exister au Rugby Club Toulonnais, il a fallu avoir l'aide du Stade Toulousain Rugby et l'aide de l'ASM. Donc le rugby c'est ça. On croit qu'il n'y a que des enculés à l'ASM ou quoi, mais c'est pas vrai. C'est pas qu'ils sont pas que des bons mecs. Il y a des bons mecs, il y a des travailleurs, il y a des joueurs de rugby, il y a des passionnés de rugby. Et c'est pas ceux qui restent la journée sur les forums les plus intéressants. Un dernier mot qui me touche particulièrement, de faire résonner le pilou-pilou au RCT handisport et d'occuper Palais Sport, une émotion particulière pour l'investissement de la ville des Toulonnais, de TPM, de ce message apporté qui est important le sport et pour les valeurs du sport. On verra après le 5. On verra après le 5. Voilà. Merci. Merci Olivier. Au revoir, Olive. À bientôt. Merci mon ami. Merci à vous. À bientôt.